Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peninga Pona kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lip. Salut chers amis internautes, ravi de vous avoir encore le voir aux écrans pour suivre votre émission préférée, la découverte avec la vôtre, mon panda savoir, bien sûr, très bien là. Toujours ma tête essaie de venir au Congo, les panda. Les temps où ça m'a mon bon rôle, c'est Jimmy Atchou qui va dans la tête de Jésus. D'ici lui, la référence, parce que tu veux connaître la tête de Jésus, c'est facile. Allez-y voir, monsieur Jimmy Atchou qui est un grand merci à toi, mon boss. Lélo, rendez dans la tête, toujours ma tête à voir David, Congo, les panda, dans le rang. On a coupé la vie, ma information, on a coupé sa vie, on a coupé la vie. C'est pour cela que je vous demande toujours d'être connecté sur notre chaîne Kongoli Panda. Aimez la page, partagez, vous savez qu'à y monter. C'est Karapina Baninga et ça va être bien. Mais avant, nous avons un invité dans notre plateau Kongoli Panda, dans notre émission La Découverte. C'est un grand artiste de Kongo Brazzaville, Awa. Et c'est Kani Mitya qui va assister à l'événement de Salamaki. On va lui poser quelques questions. Je vois ma famille, la famille Bola, la famille Ekombe, la famille Mazumba, la famille Mbonga, en tout cas on a un gai, donc on voit ma grande sœur chérie, Bijou Anani, Ciseaux d'or, maman la chéla de Rissa Babier, Pandem de Salama, on a pour ça va Béric, voilà pour ça. Donc c'est facile, contactez-moi dans mon numéro, les affiches Wana, pour ça y est, en contact Naye, pour voir Béric, on va chanter mon photo. Pour saluer mon côté de vieux Sachim, moi la Basoula, la maman de la Bouda, la Bouda, et le document moto, le boss Jordan Bindibi, un grand merci à toi, le vice-cellulé Kamaïstre au Mali, R.J.O. Tenga, R.J.O. Soyo, je vois Patrick Ebengo, Tabu Cardozo, Sylvain Ilunga, joyeux anniversaire à toi, tout qui ne pouvait pas inviter la mission à l'Ego. Yeah! Bonsoir maman Bibi Chou, c'est ça? Non, non, je suis très content. Oh, l'investigation, mon ami. Eh, par contre, aussi ça. Mais il m'a dit suscité toutes les personnes qui sont à Kinshasa. Vraiment, ce sont des personnes qui nous font du bien, ce sont des personnes qui nous fortifient, nous donnent le courage d'avancer. Ils nous disent non, ne t'arrête pas, vas-y, c'est toujours comme ça et tu arrives. Donc, on doit aller remercier quand même. Ouais, quand même, mais à chaque fois, c'est toi qui parles, cette fois-ci, pardonnez-moi, on me parle. Ça fait beaucoup d'années que tu parles quand même à l'émission. Mesdames et messieurs, voilà, merci de me recevoir. Moi, c'est Aristote Kaya, artiste humoriste du Congo Brazzaville. Donc, artiste humoriste du Congo Brazzaville. Merci de venir à mon spectacle aujourd'hui. Bon, c'est pas seulement mon spectacle seul, quoi. Ça va être avec les autres. Ciao rire, les 5 grands maîtres Ciao rire. Et voilà, déjà, j'étais au festival Toseka. J'étais jusqu'à Lubumbashi. Dans l'humour. Jusqu'à ce que Abinakou Doumoulungé a katabilama la victoire, c'était grave. Grave. Donc, en fait, toutes les femmes qui n'ont pas, elles étaient donc. Oh, quand on a. Oh, on a eu plein de paras. Donc, quand même. Voilà, je suis très content que tu m'aies reçu, que tu sois venu jusqu'ici à mon avis. Ça me fait plaisir. Plaisir est pareil. On a les la même. Qui écoulait la thé, merci, Bumba. Bumba, pour avoir frappé un peu sur les sujets. Merci, le plaisir est partagé. Bête la vision de solo, tu parles à Lingala? Ouais, quand même. Moi, Lingala est banana, moi, la miniature, quand même, c'est le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, tout le Arcasque Baningala, et nous deux. Nous deux, il y a pas un ailleurs, voyons, qui nous a congolais, Brazzavillois. Mais il y a une différence, mais quand même, voilà, dans le Lingala. Dis-moi, Lingala, moi, quand moi, va y re, mais ça va quand même. Lingala est banana, on va rater, Balakin, Masulé Zakoto.
côté. Il y a pas la quinte mbota, là, pas la quinte, la poto, donc c'est partout, hein. Mm-hmm. Un peu partout, hein. Mm-hmm. On est surtout dans la connecté, on est dans la wifi, on est là. Aristote, Kaya, c'est un peu magique, Brazzaville. Mm-hmm. Aristote, dis-nous, tu es marié? Bon. bon. La question dépend. Tu es marié? Ma question est à la réponse. Bon, ok, c'est à dire pour le moment, non. Je ne suis pas encore marié. Bon, je suis un peu en bas là. Et bon, qui la femme aussi, hein, peut-être avant tout, banine et tout ça. Au moins, là, ce que vous reprenez la partie là. Donc, ce que vous avez eu, si moi, si mon voisin, il y a un bon moment, vous avez eu un bon moment. Bah, qui marie, on dit, ah bah, Mario a souffert, hein. Et qui marie, on dit, bingay, moi quand même, mais ça va quand même. Mais toi-même, est-ce que tu es marié? Moi? Aristote Kaya, dis-nous, tout est tellement solo, na yo, ming moi yo, hein. Cher ami internaute, tous en la plateau, na bisona Aristote Kaya, un artiste du Congo Brazzaville, il est comédien, humoriste, babillé sur Ozana, il faut au serré, hein, au serré moi pandi pour ta la kaka, au seki bolembi, donc une fois que mon aïe boisa déjà, hein, anti-stress quoi. Aristote, dis-nous, est-ce que c'était facile pour toi, il y a beaucoup de temps à monde où il y a comédien? Au début c'était pas facile du tout, j'ai un peu bavé dedans, aujourd'hui Dieu a fait grâce quand même, je me suis retrouvé dans le monde quand même. Au début, tu as la ramène, ma fille, il y a au moins, comédien, pardon, tu vas s'exciter, tu avais pardon, malchance. Donc, du coup, aujourd'hui, la même fille, elle me voit, c'est comme elle voit un fiston, ça, et c'est papa, non, il va y avoir un bon mot. C'est parce qu'il y a aujourd'hui l'argent. Dieu a fait grâce pour moi. Aujourd'hui, je suis assis, je suis easy quand même. Je vis bien, on a l'air rappé, on a mis la rappé, voilà. Donc, quand même, ça va. Du coup, on a sexé à rappé, bateau. Je dis, le beau père, il m'a remonté, il dit, putain, ne prends pas la main là. Non, il y a comédien. Le beau-père qui disait que non, ma fille ne peut pas épouser un comédien aujourd'hui, dit que non, donc c'est toi l'homme de sa vie. Quoi. Ben oui, je dis merci à Kinshasa. Je ne cesserai pas de dire merci à Kinshasa. Et pas seulement à Kinshasa, mais à la RDC. Oui. Parce que c'est grâce à eux que moi, quand même, je me suis quand même, j'ai comme ça me retrouver quand même. Parce qu'ils m'ont donné la chance de participer au festival Toxic à les 48 heures du rire en 2016. Ma Beninga, ma Beninga, tira au salon du rire, à Ketiva Gemena. Le mot Mujimai. 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 À Kananga. Okay. Donc, du coup, on a recevé ça. Donc, quand même, ça m'a fait plaisir de visiter toutes ces provinces. Et tout. Et voilà. Merci. Dis-moi, comment est-ce qu'on t'a découvert? Le monsieur qui t'a appelé, il a déjà entendu parler de Aristote Kaya, où c'est toi qui avais proposé à Kinshasa? Oui, à Kinshasa pour participer à tous ces festival cas. Tosika. Mais non, à Kinshasa, j'ai pas postulé comme on peut dire pour participer au festival Tosika en 2016. Ouais. Le promoteur Ados Lumbasi était en séjour ici à Brazzaville. Il a voulu voir les talents qui étaient à Brazzaville. Dès que le gars était là, et puis il était brûlé par mon talent. Et du coup, il a été obligé de me prendre, voilà, et de m'emmener là où on est arrivé. L'amitié, c'est par passion ou tu as un idole dans la tête de dire que moi, vraiment, un jour, je deviendrai comme telle personne ou Aristote est né comme ça? Ben, si je suis né, c'est d'avoir une passion. J'ai aimé la chose. Et aujourd'hui, vous avez étudié pour le faire? Ben non, j'ai pas étudié le mot. Mais après, on a fait une certaine formation. Aujourd'hui, je passe sur Canal Plus. Et sur A+, mais c'est parce que je maîtrise quand même les règles du stand-up. Moi, je fais le stand-up, la comédie purement, le stand-up, du coup, il y a des règles qu'il faut respecter. Et ces règles, on les apprend dans les ateliers, les formations. Mais c'est d'abord du tic ou tac, après, paf, évolue-moi. Parce qu'il faut éviter, tu joues des spectacles, tu pars, tu fais n'importe quoi. Du coup, il faudrait un peu limiter un peu ce que tu fais. Donc après, ça va s'aligner dans ça. Plus moi, ma formation, je suis vraiment. Donc, depuis que tu as dit 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 que parce que là, nous, bah, c'est quand même moi. À chaque fois, il y a un artiste à bosser, une fois, c'est à moi, l'homme qu'on a démontré le métier. Mais il y a un journaliste, hein. Parfois, est-ce que c'est moi qui ai même parfois dans Zilara avec vous? Prouve-moi d'abord que tu es un journaliste et pose des questions dans la rue. Non, comment? Mais je le ferai. Bon, si j'étais boxeur.
Est-ce que moi tu en as bêté ma compte? Daniel a une show, hein, papa, aux a boxeur, ok, d'accord, bêté un nom caméraman pour la vidéo. Tout à l'heure, tu as dit que c'est que ça va, mais on a bêté à ma compte. Donc, si on disait de choisir des métiers, la partie que mon tout va démonter, on a pas partout au monde, on a pour finir d'un gynécologue. Parce qu'imaginez le niveau de caca! Qu'est-ce que tu as fait là? Je ne sais pas ce que je vais raconter, des blagues, je ne sais pas où je vais commencer. Mais une chose, ma comédie, je vais aller un peu au football, on va parler du football. Mesdames et messieurs, le football a changé de technique. À l'époque, la compétition au football c'était sur le terrain avec la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe d'Amérique. Mais là, la compétition au football est comme Souki, le cheveu, avec des coupes de coiffure. Okay. Ne soyez pas surpris si vous écoutez à la radio. Le à la Ninga la Penza. Les autres compétitions, il y a football, et comme il y a Souki. Vous êtes surpris sur le monde de la télévision, de la radio. Mesdames et messieurs, bienvenue à. Je ne pourrais pas parler. Donc, tu vas couper alors. Oui, on y va. Donc, du coup, voilà. Donc, ne sois pas surpris quand tu vois la télé, mesdames et messieurs. Ne sois pas surpris si tu vois la télé ou la radio. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette Coupe de coiffure des nations. Voilà déjà en train de Lionel Messi. Lionel Messi qui a tel cheveux en jaune et a laissé pousser sa barbe. On ne sait pas s'il est devenu djihadiste ou terroriste, mais ce qui est sûr, il expose tout, c'est Santiago Bernabéu. Oh, voilà en train de Mario Balotelli. Mario Balotelli qui nous présente une crête en forme de Kirikou qui commence de 100 francs jusqu'à la nuque. Oh là là, la RDC est là ce soir, avec qui la RDC est obligée de faire appel à Boutou Trésor. Ouais, on lui a ramené la sélection au moins pour défendre les couleurs de la RDC. Parce que Mbokane, il n'a pas trop de cheveux, voilà, quand même. Oh là là, la France est là ce soir, avec Zidane. Le haut Zidane qui avance, aïe aïe aïe, carton rouge. On ne sait pas pourquoi. Ah, la France est disqualifiée, Zidane n'a plus de cheveux. C'est une calvitie qui est là. Ils sont éliminés. Merci, c'était ça. Merci, je reviens. Internet, bien sûr, c'est PC, Missou, comme vous allez. Un courrier pour nous comprendre quand on a vu si on a un boxeur, Fabio Boxeur, si on a un comédien, il faut bosser. En sorte, parlons de stand-up. Oui. Comment tu es? Le stand-up, j'ai d'abord aimé la chose. Je me suis dit, ben voilà, je vais essayer un peu de me lancer. Et j'ai commencé personnellement. Moi, je n'ai pas d'idole comme tel. Je me suis dit, là, Diamène, là. Gadelmale, moi je trouvais ça très difficile. Et comme j'étais quelqu'un qui aimait les défis, j'aimais beaucoup rire, je me suis dit, bon, ok, moi, maintenant, quand tu es à je vais essayer de voir si je peux réellement faire rire. Au début, c'était pour faire rire pour les femmes. Okay, je me suis dit, bah, c'est que moi, ça y va, on va toucher le bac, ça va. Mais après, c'est devenu ce que j'ai devenu aujourd'hui. Et je suis très content pour ça. Est-ce que ça marche? Ben oui, je me retrouve quand même bien. Ça marche difficilement, d'autres. Mais bon, ça va quand même. Le tout, c'est de réfléchir sur le monde, de réfléchir sur les thématiques, comment lancer un truc. Par exemple, le spectacle que tu as assisté aujourd'hui à Bardaby, c'est une autoproduction. Et la même chose, je le ferai également à Kinshasa avec le grand hôtel Pullman, que je salue, excusez-moi un peu la publicité. Après, également à Pointe-Noire, avec hôtel Elaïs. Dim Sarapeka, un peu la publicité. Voilà ce qu'on commence à publicité, c'est fait. Merci, cher ami internet, mais dis-nous, en fait, comment tu gères tes activités personnelles et d'autres activités ailleurs. Aujourd'hui, tu as un spectacle à faire. Demain, peut-être, ça doit être le bourreau, la répétition, autre chose. Dis-nous, à part la comédie, tu as autre chose à faire? Je ne sais pas trop. C'est une question qu'on nous pose tout le temps. Soyez ici, maintenant, la comédie, mais ah, est-ce qu'à part la comédie, ça va souligner? Je ne fais rien d'autre que la comédie. De la vanne à rare, là, j'ai réfléchi sur la comédie et également faire plaisir aux gens. Le temps que je peux perdre d'aller étudier à l'école aujourd'hui, ben, je vais étudier à créer la thématique comment on a c'est que ça va. Et c'est comme ça que je gagne autour de ma vie. Je suis 100% dans le monde. Mais comment tu gères ton temps par rapport au stand-up, d'autres activités? Ben ouais, j'essaie d'avoir un programme emploi du temps et j'essaie de vivre en fonction de mon emploi du temps. Je ne fais pas n'importe quoi. Je réfléchis et je me dis, ben voilà. D'abord, moi, je suis diplômé en droit. Après, j'ai fait commerce international et transit. J'ai également mes diplômes en commerce international et transit. C'est-à-dire que on a une carrière. Mais après, j'ai choisi de faire le bureau comme métier. Est-ce que c'était facile pour le parent de voir que son enfant a fréquenté, à quelle classe, a foutu l'école, a mis à Zuzu, à diplôme, on a et tout, directement comme Mango?
Pareil comme ma beau-parent, les parents n'ont pas accepté, mais le jeune a même moi 500 000 à vivre. Oh! Je savais que c'était un bon métier petit. Continue comme ça. Aujourd'hui, on a pas bamboulé, payé qu'il y a papa. À mon avis, non, c'est mon fils, il passe à la télé. Non, courageux. Parce qu'elle vit que moi, on va retourner les allées là. Bon, au début, c'était pas facile. Même là, c'est moi, on a eu ça qui. Mon père, on a un comédien. Comédien. Donc, mieux vaut être diplomate ou un animé. Ça, moi, je m'en trouve, j'aime bien. Est-ce que tu peux aussi conseiller à tes soeurs et frères de rejoindre ton métier? Si par exemple il y a une de tes soeurs ou des frères qui te disent, regarde, restante-moi, je vais être comme toi. Je dirais simplement ceci. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu vis réellement de la chose? En ce moment, c'est vraiment parce que le langage a un succès. Parce que quand on a là, je dirais, c'est quand. Parce que tout fonctionne avec la chance également. C'est pas que le talent, mais il y a également la chance également. Il y a le travail et la chance. Quand tu as la chance, ben, tu exploses. Je ne suis pas le meilleur des meilleurs, Congo, mais je suis parmi aujourd'hui, partout je vais, je parle de Lubumbashi par exemple, je suis le premier comédien humoriste qui arrive à Lubumbashi. Mais par exemple, il y a eu de grands festivals à Lubumbashi, on n'a jamais eu un comédien du Congo Brazzaville. Deux fois à Lubumbashi. Je ne vais pas parler de Kinshasa, mais je préfère parler de ça. Ça veut dire que j'arrive là où les autres n'y arrivent pas. C'est pas parce que je suis le meilleur, non. C'est parce que chance pépé, ma part voulait, c'est mes pépés pour toi. Merci, Décimo Tina, ma fille chérie, Sheila Yonicia, hein, et bien maman. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire que tu n'en peux plus, je dois abandonner et chercher à faire autre chose? Ben, deux fois, sûrement une masseuse de bête, mais honnêtement, je sais pas, moi je suis né avec une certaine aisance. Aujourd'hui, je parle des spectacles qu'on organise avec mon frère Wolfa, quand même, je préfère parler de lui aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on fait des autoproductions aujourd'hui. Et aujourd'hui, au cause, il a raté. Souvent, tu as des nazis, le ministère, il y a culture à ça, la manque à mon père, un allié, tu vas jamais bouffer. Du coup, avec le peu que tu as, investi. Et j'ai investi, je réfléchis parce que l'argent, c'est des idées. Mm-hmm. Et du coup, ça ne m'effleure même pas la tête de penser qu'il y a un cas d'athée. Ce qui m'a montré que là, le monde a été dans mon boulet. Quel bon n'a pas créé là. C'est comme ça que je vis. Et ça marche aussi. Ouais, maman, je comprends pas le mot. Vous avez la démarche de Naomi Campbell, le charme de Nefertiti, le charisme de Simone de Beauvoir, la tendresse de la Sainte Marie Thérèse et le cœur de Joseph Kabila Kabangé. C'était le poids sans rebond. Ouais, mon frère, Yolanda, tu connais pas Paul Biya? Non, t'es pas le poids facilement. Si tu veux, tu n'as qu'à parler, t'as peur. Faut parler, mon frère. Il dit, hey, c'est comme ça. J'arrive à Kinshasa, j'ai dit, ouais, je vais changer un peu de tactique. J'ai vu une tunoise se passer, j'ai dit, waouh, là, je vais attaquer direct. Il dit, bonsoir, mademoiselle, vous êtes très belle. Et, il dit, non, maman, je ne sais pas quand je vous ai vu passer. J'ai dit, non, sœur, celle-là, c'est la femme de ma vie. Et, il dit, non, maman, dites au moins un mot, que ma vie change. Acceptez au moins, là, là, on est déjà prêts. Il dit, papa, il va nous faire l'ingala, hein? Français. Papa, il va nous faire l'ingala. Pardon, il faut que ça va. Hein? Moi, il y a un gars français, papa. Il va nous faire l'ingala. On va tous les samouts, papa. Tant, papa. Non, je dis. Applaudissements pour tout. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Merci de nous avoir accordé votre temps. Parlons de l'événement d'aujourd'hui. Oui, l'événement d'aujourd'hui. Les 5 grands maîtres du chat au rire organisé par les 5 humoristes africains. On a eu Valérie Mourou qui est venue du Cameroun. On a eu Oumar Mané qui est venu de la Guinée. Moi, du Congo Brazzaville. Mon frère, mon frère également, Wolfa Kaya, du Congo Brazzaville. Et mon autre frère, Juste Parfait, du Congo et Brazzaville également. On a créé ce spectacle, les 5 grands maîtres du chat au rire, simplement pour valoriser l'humour. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas donner un spectacle à février là-bas? On n'a pas voulu le faire le 14. On s'est dit, bon, le 14, bah, ça va pas d'abord pour lier entre maman en couple. Mais le 17, on organise ce spectacle. Et c'est avec les fonds propres. Il n'y a pas eu de producteur dans ce spectacle. Il n'y a rien. Il n'y a même pas eu de partenaire. Moutoumoura, le bataille, Nati, Aiguille, l'autre, Outa, Nati, l'autre. Mais du coup, on a organisé avec les frais propres pour valoriser le monde. Et voilà ce que je peux dire. Et très bientôt, les 5 grands maîtres du Chaori à Kinshasa. Et également, voilà, par ces temps. Et le bilan par rapport à Vini? Pas mal quand même, on a investi plus, ben on s'est dit on va
on est confiant qu'on peut gagner plus aussi. Et puis on est là. Par rapport aux résultats que vous êtes en train d'attendre, vous êtes dit, peut-être que après l'événement et tout, voilà. Et est-ce que les gens que toi tu espérais voir, ces mêmes personnes qui ont venu, est-ce que vraiment tu es arrivé quand tu étais sur scène, tu étais chaud sur scène et tout, tu t'es dit que voilà, vraiment là, ça va. On a fait guichet fermé. Bah, ça te dit réfléchir. Donc, guichet fermé, ça veut dire que c'est un truc bien. Ça veut dire qu'on a reçu les gens dont on voulait. Okay. En 2 semaines d'organisation, 2 semaines, guichet fermé du mot. Mais comment on sait que le Congolais de Brazzaville commence à aimer le mot? Et du coup, on a aimé. La chose est que, bon, ma soeur est bandit, on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être on va payer les billets d'avion, on va faire un peu ceci, peut-être bah, là, oui, et quand on va bédé. Mais ce que sur même si on a dit 10 000. 10 000 wana évaluer humour il y a Congo Brazzaville. Et pas seulement du Congo Brazzaville, également du Congo. Ok, parce que moi je me dis pas Congolais de Brazzaville, je me dis Congolais. D'accord, ouais. Merci cher ami internaute. Donc comme il a souka l'émission Nabiso, un mot par rapport il y a ma fan Nayo, Basela Nini, Bombeli Bango Nini, Nani Koleza Koya. Donc bien, je suis très content. Je pas d'abord pour mes fans de Kinshasa. Je vous dis très très bientôt on sera au Grand Hôtel de Kinshasa, les 5 grands maîtres également encore, avec mes amis artistes humoristes, mes grands que je salue, Piston Saïsaï. Et Sobé Phénomène, Ladi et Sobé, et Ladi et Sobé, c'est Sobé Phénomène, vu de loin. Et de là, je vois Neuvé National, Dauphin Boulamataldi, mon vieux, Yomorébi, Rock Bodo. Et je parle de ceux de ma génération également, qui m'attendent de là, ma préférée, Félix Kisabaka, Rancia Koukeloukila, Soleil, et bien d'autres que j'ai pas pu citer parce que t'as la rapidité, quoi. T'as la émission vidéo, moi, c'était pas que tu as été. Et voilà, donc très bientôt on sera à Kinshasa. Très bientôt je serai à Lubumbashi avec Marco Mbayabu et Benjamin Kaita. Très très bientôt et puis on va faire le. Merci. Un numéro de contact. Pour me contacter, c'est le 242 APOPET 06 891, c'est-à-dire 891 92 39. Non, non. Hein? C'est pas non, non. C'est quoi? Et on reprend rapidement. Vous comprenez 242 06 891 92 39. Et également sur ma page Cerveau Magique. Et mon compte Facebook Aristote Kaya Cerveau Magique. Merci. Je vous aime. Merci de nous avoir accordé votre temps malgré ma Cameroun des arrêts. Vraiment au Pestibiso Tawana. Un grand merci. J'espère que les gens vont aller au saut. Tu es un peu plus grand que les gens vont aller au saut. C'est ta maison. À chaque fois, tu as quelque chose à dire. Et tout, voilà. On est ensemble. Merci, cher ami internaute. Tout comme il a souka l'émission à Bissot. C'était avec votre artiste humoriste, hein? Aristote Kaya Babi, Cerveau Magique. Et j'avais aussi une question à poser. Pourquoi Cerveau Magique? Cerveau magique, vite fait, simplement parce que le cerveau là, magie la carte. C'est-à-dire, ma réflexion, mon sujet, bim, c'est la carte, je sais que ça va. Non, le gars là, c'est pas normal. C'est de la magie. Allez sur mon compte YouTube, Cerveau Magique. Vous saurez pourquoi on m'appelle Cerveau Magique. Merci. Sony émission OSCP Sibino, vous arrêtez pour commenter la page 1, na CA tableau Nabiso, vous commentez, ma critique Nabino, ma commentaire Nabino de Salaka qui est avancé. Je dis toujours que ça vaut pas la peine d'y avoir finga na yote, hein, pour le balobate, yo, ça va à commentaire, le bac en maï, coton, à mon bossali, ma belle, n'y a pas de salabou, m'bala si ma la ligue, vous allez, et que y a mon de quoi aider, surtout que Sabino, ma. Au bino bosa kolinga solution hein, il y a pas problème na bino voilà derrière le caméra c'était Rodrigue de Brazzaville na bosa nyote ni sapiatalo les caméramen partant merveillement pour y a bien des camacam donc Congo Lipanda à côté vraiment partout tout ça na Brazzaville bino mo bo moni basa na Brazzaville donc tito komingi merci na bana ti à Brazzaville. Au revoir à la prochaine. Bye. Congo Lipanda. Congo Lipanda. C'est toi qui m'as amoureux, Congo. Jimmy Achuki.
Azwi likanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo lipanda. Asali libango. Congo lipanda. Pona kuyeba historia Congo. Landa Congo lipanda.